Bonjour tout le monde, ici le Caribou Canadien qui vous parle, j'espère que vous allez bien parce que moi je vais super bien. Allez, on continue l'aventure du jeu. Welcome to Elk. Live sur la chaîne Caribou Canadien. Oh yeah! Rêve est perturbant, vraiment, oh merde, j'ai bien appelé. C'est vraiment du bien de parler à quelqu'un. Réseau, je peux même pas aller voir sur Instagram. Tout ça est difficile. Non, allez, toi. De m'offendre, c'est vrai que la guerre était dure, mais on va penser positif, des pensées heureuses. Un autre message de bouteille, si je le disais. On a l'homme gelé. Il appelait un grand whisky par jour, il travaillait à la station météo, on l'appelait comme parce que c'était un type bien avec beaucoup d'humour et qu'on pouvait boire une bouteille de whisky par jour en continuant à faire du bon travail à la station météo. Il vivait à Groenland à l'époque et au début des années 80, j'étais menuisier et cette histoire est arrivée au jour où grand whisky était censé repartir au Danemark. Martin et moi avons fini le nettoyage après un travail de peinture et on allait au Dumpen à la décharge en fait. C'est juste un grand trou rempli de détritus qu'on brûlait. Et qu'on recouvrait avec de la terre, c'était un petit matin, il faisait encore nuit et autour de moins 30. En étant en route vers les baraquements, les derniers avant les glaciers, le soleil pâle de l'hiver était à peine visible dans la nuit. On avait fait plusieurs allers-retours au Dumpen ce matin-là, mais c'est seulement à ce moment-là que la lumière grise du matin qu'on a pu voir une voiture avec la portière ouverte en bas de la piste de ski. Les enfants, j'ai déjà vu ça. Non, je pense que c'était ça. Ah ben ça, on l'a lu, il vient de me le canter, cette histoire-là. Il l'a raconté. Je devais aller à l'atelier de John, caméraman esprit de travail de bois. Le bateau est tellement cool, j'ai aussi l'impression de l'avoir déjà vu. Le bordel qu'il a dans son atelier, ce type. Des merdes partout, mais il a bien dit qu'il jetait un œil. Scooter, bien. Bah, bien sûr qu'il l'a dit, qu'il le ferait, putain. Personne me dit non. C'est vrai, Leroy. Je vais te le dire, les bruits faisaient ses machines. Ça m'a rappelé la chèvre. Hey, en parlant de la chèvre, si c'est pas ma petite fleur. Hey, salut ou quoi? Pourquoi tu me traites de chèvre? Ma petite fleur, pas toi. Je me trompe jamais de femme. La chèvre, c'est une autre bonne copine à moi. Elle vit à une île pas loin. Quoi, on l'appelle la chèvre parce qu'elle, quand elle fait la chose, elle est belle. Et pas un petit bêlement de rien du tout. Elle est belle à t'en faire saigner les oreilles. C'est un son que seuls les chèvres dignes de ce nom sont capables de faire. Oula! Tellement répugnant. Pourquoi je l'ai laissé dire ça? J'ai dû dire quelque chose. Bah. Salut John, salut Fridge. Comment ça va? Honnêtement, je suis triste. Oui, moi aussi. Les ailes au courant maintenant. On a tous le cœur en mille morceaux. Je n'avais jamais vu de mort avant. J'en ai trop vu. Ça devient jamais plus facile. Mais j'apprécie vraiment la façon dont tu nous as aidés. D'ailleurs, j'apprécie que tu veuilles bien m'aider avec un autre tâche. Ah oui, s'il te plaît. Travail, c'est la distraction dont j'ai besoin. Et c'est génial, mais voilà. Peut-être t'as besoin d'aide chez elle et tu vois, je suis un peu occupé. Mais je pense que ça serait bien si on pouvait l'aider. Tu veux bien aller chez elle et voir à quoi elle a besoin? Mon Dieu, j'aurais aimé rester ici, travailler sur quelque chose. C'est tout super cool, bien sûr. C'est juste que c'est super urgent, mais je te promets que on vaudrait la peine. Mais bien sûr, désolé, j'aurais dû dire oui tout. Peut-être a besoin de notre aide, mais je ne sais pas de quoi tu lui dire après ce qui vient d'arriver. Oh, c'est vrai, j'ai bien, pas de problème, tu peux compter sur moi.
Désolé. Une petite chose. Il y avait un homme la nuit dernière dans ma maison. Un vieux monsieur avec une barbe blanche. Il portait une chemise à carreaux. Il était dans la maison et il a raconté cette histoire. L'histoire, c'était similaire à ce qui est arrivé à Jeep. Et il y avait une différence. Désolé, mais je connais pas de monde sous cette île. Je connais personne qui correspond à cette description. Il parle de moi. Tu es sûr que ça va? Très bien, c'était peut-être un rêve. Oublie. À plus tard. Voilà. Ouais, je suis... J'ai vraiment vu cet homme dans ma maison. C'est vrai que c'est un sale type, son parti. Merci. Bon, maintenant je vais aller aider Beth. Non mais avec ces fleurs, ça doit être pour Jeep. Au revoir Jeep. Désolé, je ne voulais pas t'interrompre. C'est vraiment très beau, Beth. Merci, ma belle. Ça fait du bien de voir un visage amical. C'est John qui t'envoie, oui. Comment ça va? Eh bien, ça pourrait aller mieux, comme tu peux t'imaginer. Je n'y arrive pas. C'est difficile, Fred. Il me manque déjà. Et je suis inquiet pour ma Freddy. C'est la deuxième homme qu'elle perd dans sa vie. Et, je jure aucun malheur de nous abattra, ma fille et moi. Ça m'est arrivé avant, ça n'arrivera certainement pas maintenant. Beth, tu es tellement forte, tu trouves? Eh bien, si je t'échangeais ce compliment contre un service. Oui, bien sûr, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Puisque tu me poses la question, il va falloir que j'en fasse plus pour venir à nos besoins maintenant que Jeep n'est plus là. Et ça veut dire que je vais devoir être débrouillard. Alors, comme tu veux, tu peux le voir, il y a des herbes hautes et des buissons à côté. C'est vraiment parfait pour attraper des délits. Mais les pièges sont tous cassés. Alors, j'espérais que John ou toi maintenant m'en fabrique de nouveau un piège pour les équiper. Maman, je suis encore coincé. Merde, pas encore. J'arrive, Freddy. Désolé, ma belle, je dois aller la chercher. Je te laisse commencer. Il y a du matériel dans la brouette. Merci, Fridge. Je n'ai jamais fabriqué piège avant. On va tenter de quoi. Faut que je mette une balle de golf sur la balance pour activer les...
Regarde maman, frère, j'ai fait un. Mais qu'est-ce que c'est? Je ne sois pas impoli, ma chérie, c'est un piège à écureuil, et c'est un piège à curé, c'est ça, bien sûr. Ça devrait fonctionner sans problème. Enfin, j'espère. J'espère bien, non, mais il a l'air très bien, c'est vraiment gentil à toi d'être venu, laisse-moi t'offrir un verre de thé. Beau, organique, une vie. Il faut vraiment que j'y aille. Je peux venir, je veux pas aller à l'école aujourd'hui, je veux dire au revoir à Jeep. Ma chérie, tu sais bien qu'il n'y a rien de plus important que ton éducation. Tu peux aller dire bonjour à Anders au moins? D'accord, mais après on y va. J'apprécie de plus en plus la bière de Nolan, alors ça va comme plan. Je vais aller dessiner mes parents avec un. Salut, mais sois pas en retard pour Sue, t'attends. T'inquiète. Eh bien, tu as vu ça? Oh, quel beau tableau! Ça doit être Ingrid. Elle a vraiment du talent pour imprimer un moment, soupir. On devrait faire quelque chose. Buvons un verre. Trinquons pour G. C'est une belle idée, bête, mais on n'a rien à boire. Ah bah tu vois, c'est là que tu fais erreur. Tu dois cacher des bières partout dans les environs pour ne jamais avoir soif. La pauvre, elle croit que personne. La chatière est bien. Au Jeep. Au Jeep. Oh, piouf. On va continuer. On a encore des verres à boire et j'en suis sûr. Plein de larmes à pleurer. Il est temps de noyer nos chagrins dans l'alcool. Ouais, ben c'est super, hein? Dès que c'est arrivé juste à temps. Un peu beaucoup, je suppose que c'est sympa. Ce n'est pas qu'il pouvait chanter comme ça. C'est trop. C'est pas trop mal, en fait. Je répète à personne que j'ai dit ça. En tout cas, le réveil est bien. Le bébé tout ça. Bon Dieu, mes yeux sont tous mouillés. Eh bien, c'est vraiment quelque chose que je suis sûr que Jay pourrait apprécier. Merci à tous. J'ai intitulé cette chanson Joie pour Jay. Très beau, mon chou. Bravo. Comme si. C'était dans mes yeux maintenant. Merci, Mr. Beau. Je m'ai vraiment écouté. On est encore dans le temps pour dire salut à Jay. Freddy, qu'est-ce que tu veux faire là? Anders, c'est quoi ça? Elle est censée être avec Sue. Sue n'était pas là, maman, jurée. C'est vrai, Bert, que ça a fait plaisir à Jeep de voir Freddy avant son voyage. Il ne fallait pas, mais non, Anders, ça craint, il ne fallait pas. Hé, je suis arrivé à temps. Une pinte, s'il te plaît, Bobby, ma belle. C'est un sacré culot, Sue. De quoi? Freddy était censé être à l'école avec toi aujourd'hui. Ta seule élève, comment t'as pu oublier? Hé, on se calme. Je n'annule jamais ce que j'ai prévu, j'ai juste décalé un peu les choses sur mon planning. Je vais boire un verre vite pour dire un revoir à mon cher ami Jeep. Et ensuite, je serai prêt à continuer. Sue, pas aujourd'hui. Merde, pas aujourd'hui, ok? Je suppose que mon verre peut attendre. Bien, Freddy, on va aller prendre des trucs. Mais je veux rester. Non, le monde de l'enseignement nous attend, apparemment. Je crois que j'ai besoin de prendre de l'air. Ben, je dois m'inquiéter pour. Je crois que c'est manger en dessous et bête. Donc, Sue a un certain talent pour provoquer les gens. Parfois, c'est la bonne, je suis sûr. Ça va se tasser, pas vrai? Ouais. Ouais, j'en suis sûr aussi. L'air de la mer est lourd ces jours-ci. Ça passera, tout le monde est en cran, mais ça passera. Le plus tôt sera mieux. Je me demande quand on continue pour enverrer un nouveau conducteur de ferry pour les affaires, Ingrid. Vous connaissez bien Jeep tous les deux, oh et capitaine, ouais bien sûr, qui ne connaissait pas. M'a acheté mon nouveau pantalon quand je suis tombé enceinte, ouais capitaine Rouquin aussi. M'a acheté des clubs, oh, alors il était vraiment important pour les habitants de l'île. Et oui je veux dire,
T'as joué sentimental, c'est un peu le bon moment pour être sentimental. Il vient juste de mourir, il est réveillé. Ouais, mais il a aussi mangé à boire gratos. Ah, bon, d'accord. Quoi que Leroy va venir, pas sûr, je lui ai demandé s'il a dit, bien fou, je vais pas chialer pour le requin mort gelé, je pense qu'il voulait dire non. Et tu crois que Beth est fâchée contre moi? Anders. C'est un peu tendu entre Beth et Sue. Dès que le shérif aurait dû intervenir, pas vraiment que ça. Patient. Bien, je sais. Ah, enfin. Si intervention. Yeah. Par un peu exagéré, non? Eh oh, dis donc, tu as plein d'avis sur. Ne fais pas attention. Nous avons notre propre thème un peu bizarre ici. Désolé, Clara, je ne voulais pas être mal. Personne ne peut prendre. Bien, je t'attends que tu as creusé au Jeep et c'est vraiment super. Ouais, tu as tout à fait raison. Pour creuser ma propre tombe, je suis championne. Bonjour, ma chère, c'est gentil d'être venue. Comment vas-tu? Eh bien, l'île est majestueuse. Et tout le monde a été si gentil, et bon, presque tout le monde. Mais la mort de Jeep, c'est assez difficile pour être honnête. Oui, quelle terrible histoire pour notre bon vieux Jeep. Tragédie, il nous manquera. Mais j'ai une certitude, il aurait voulu nous voir souriant plutôt que. Je ne l'ai pas connu très longtemps, mais je pense que vous avez raison. Merci, Mr. Bro, je t'en prie, ma belle, Mr. Beth, je suis désolé d'avoir amené Freddy ici. J'avais juste très envie de voir JP. La dernière fois. Freddy ne peut plus voir JP parce qu'il est mort. Plus personne ne peut voir JP parce qu'il est mort, merde. Beth, on est tous morts. Quelque part par ici, tu as peut-être à quoi il ressemble. Ça m'arrive beaucoup. On n'est pas mort, on n'est pas dans un foutu état. C'est pas un petit pas que tu peux. C'est ma putain de vie, mais pas un mot de plus. Un mot. Hey, vous deux, vous avez l'air d'avoir soif. Une bière, tu en dis quoi, Beth? Un verre? Je vous invite. Pourquoi pas? Arrêtez. Cette conversation, toi aussi, Ender, c'est bien, j'aime bien une bière. D'ailleurs, je vais vous servir moi-même, ça vous dit. Comment tirer une bière? Oui, tiens. Ça, de m'en avoir, attends quoi? Qui a servi quoi? Désolé, j'ai paniqué. En atmosphère. Ah bien, c'est un peu moins tendu, c'est vrai. Ok, ma belle, laisse-moi au moins te montrer comment faire. Ma belle, voyons voir comment tu te débrouilles. Il faut incliner le verre. Un peu moins de mousse. Allez, on boit. Allez, on boit. Une belle pinte. Allez, on boit. Belle pinte. Allez, on boit. C'est une belle pinte. Au travail, ma belle. Eh bien, je dois dire que c'est pas trop mal pour une fille de la ville. Merci, Frick. A bien le goût de la bière. Bel exercice de diplomatie, Fridge. Si, j'imagine qu'on ne se trompe pas jamais avec la bière. Eh bien, je traîne à ça. Tellement envie de dormir.
lit. Hein? Je suis encore en train de rêver. Salut Fridge, Fridge. C'est de voir. On va aller parents. Venir avec nous. D'accord. Et on est sur un bateau. Comment on fait pour y aller? Ferme. Oh. Bien dessiné. Tes parents avec nous, Fridge. Très doué en dessin. Afrique, oui. Ne nous racontes-tu pas plutôt une histoire sur eux? Ouais. Avec ta maman, les histoires, ça aide à garder. Quoi? D'accord, et bien, maman. Maman, c'est fortement. Ouais, elle est pas tout. Afrique, mais. Elle est très aimante aussi, je sais que. Elle. Quand elle n'a vraiment pas le sens de l'orientation, on se perd si se met. Quand elle ah. Et dans les situations d'urgence, elle est toujours géniale et elle ne perd jamais son calme. Elle est super douée pour prendre soin des autres. C'est Twin. Elle est vraiment géniale comme ma maman et ton papa, Fred. Ah, mon papa adore les blagues. Il fait des blagues vraiment pourries. Il est toujours dans son petit monde. Il est totalement accro au travail, mais on s'amuse bien avec lui. Quelqu'un de chaleureux qui peut donner le sentiment que quoi qu'il arrive, tout ira bien. Quand ça ne va pas, il sait exactement comment te remonter le moral. Et j'ai juste que... Il manque vraiment. Il me manque tout. Oh, je sais que tu... Parents, nous. Et n'oublie pas, Fred, quand on se raconte des histoires, les gens qui nous manquent, ils peuvent... Dans notre parole. Il n'arrête jamais de raconter des histoires sur mon papa. Comme ça, je sais qu'il est ça. C'est vraiment gentil, merci à vous. Oh, ma tête, oh mon dieu. Enders. Minute, c'est un rêve, non? Franchement, c'est... Ça me fait des rêves, ça me perturbe. La bouteille. Ça va devenir une habitude. Je travaillais comme menuisier au Groenland. J'étais le seul à l'époque. C'était mon premier hiver dans un birk. Petite colonie du Groenland, les jours étaient froids et sombres, complètement différents de ce que je connaissais au Danemark. Je travaillais tous les jours de la semaine avec quasiment aucune lumière du jour. Et quand je clouais avec mon marteau, les clous collaient à des gants à cause du givre. J'avais faim tout le temps et je pouvais facilement manger un gâteau tous les jours, juste après le déjeuner, pour que ça tienne chaud et me faire un peu plaisir. Je sortais très seul parce que j'étais habitué à passer de temps en temps avec les autres jeunes comme moi. On allait à des concerts, au pub, tous les week-ends. Il y avait toujours quelqu'un avec qui parler. Là, je n'avais personne, il y avait des gens, mais je n'avais pas de vrais amis. J'ai même fini par dessiner mon propre fil d'actualité Facebook imaginaire. Il n'y avait pas d'internet pour faire comme s'il passait quelque chose. Les gens à qui je parlais étaient mes collègues. On était une équipe, environ 8 hommes. Ils avaient voyagé et vu du monde, mais ils venaient tous du Danemark. Et malgré leur parcours différent à travers le monde, ils avaient tous fini dans ce petit bide froid et venteux sur la côte ouest du Groenland. Il était plus vieux que moi et vraiment, il venait d'une époque où le contexte était différent. Chaque jour, nous allions en voiture, chacun de nos chantiers retournions au baraquement pour déjeuner ensemble. Je ne parlais pratiquement pas en mangeant, je ne savais pas quoi dire ni comment participer à la conversation. Parfois, ils parlaient des femmes d'une manière qui me mettait mal à l'aise, mais c'était aussi les seules personnes avec qui j'étais, alors j'ai jamais rien dit. Je le ferai probablement aujourd'hui. Un jour, au déjeuner, il parlait d'une femme qui appelait la chèvre. Ils avaient tous été avec elle pour prétendre l'avoir été. Je ne sais pas si c'était son métier ou si elle était juste couchée avec eux comme ça. Mais ils se sont tous moqués d'elle parce qu'elle avait un handicap qui lui faisait faire des bruits de chèvre pendant les rapports sexuels. Je suis resté particulièrement silencieux ce jour-là. Je trouvais leurs blagues et leur attitude envers cette personne vraiment horrible. Des mois plus tard, j'étais dans l'avion du retour, direction Copenhague. Mes voisins étaient... un jeune homme comme moi, et nous avions commencé à discuter. Il travaillait au Danemark, mais il avait allé au Groenland pour voir sa mère. Il était handicapé et avait besoin d'aide. Elle venait de la même ville et avait le même handicap de la femme dont avaient parlé les hommes dans le baraquement. Et je n'ai rien dit au jeune homme. Je suis plus vieux maintenant. Et je pense souvent à cette histoire. La prochaine fois, ça arrive. Je suis dans une pièce avec des gens qui parlent comme ça d'une autre personne. Je dirais quelque chose. Ces personnes sont des êtres humains, pas des histoires à raconter pour rigoler pendant le déjeuner.
Hey, bonjour Frigg. J'allais justement venir te chercher. J'espère que tu ne sens pas trop fragile. Prête à travailler? Oui, absolument. Enfin, je vais enfin pouvoir faire une bonne journée de travail. Génial. On va marcher jusqu'à la maison de Mr. Beau. Oh. Et d'accord, il y a besoin qu'on fasse des réparations? Eh bien oui. Ça fait un moment qu'il m'étonne pour que je jette un œil à sa cuisine. La maison de Mr. Beau est un peu plus flamboyante que les autres. Alors, elle a souvent besoin de petites réparations. Bon Dieu, j'imagine à ce qu'elle comprend, il a l'air un peu flamboyant. Si je peux dire. En ce qui concerne, c'est un euphémisme. Il a ses raisons. Bien, on pourra discuter en marchant. La maison de Mr. Beau est au nord ici. Tu sais, l'histoire de Mr. Beau est intimement liée à cette île. Je vais te raconter tout son chemin. Pour comprendre Mr. Beau, il faut connaître son papa, le vieux Brasseur. C'était un riche marchand qui s'est énormément investi dans Elk après la Grande Guerre. Le vieux Brasseur avait décidé de transformer notre île. Il racheta les docks, ouvrit les brasseries, construit de nouvelles maisons et prévoyait même de construire son pont ferroviaire. Il n'y avait pas que l'île. Le vieux Brasseur transforma également sa vie, se maria et eut un fils. Notre famille Mr. Beau, tout ceci aurait pu donner une belle histoire heureuse. Le problème, c'est que le vieux Brasseur traitait sa famille comme ses affaires à la dure et cruellement, tant et si bien que sa femme le quitta alors à la construction de son super pont n'avançait pas. Des années plus de frustration suivirent et le vieux Brasseur devint de plus en plus mauvais, accumulant les rancœurs contre son fils Mr. Beau. Il grandit, accablé de toutes les haines de son père. Le pauvre Mr. Beau endura la méchanceté de son père à cause de ses échecs. Des affaires, Mr. Beau se retrouva pris au piège des ambitions dévastatrices du vieux Brasseur. Mais soudain, un beau jour, le vieux Brasseur mourut. Emporté par une crise cardiaque, Mr. Beau devint alors un homme libre et hérita de toutes les possessions de son père, mais pas de ses rêves. Alors Mr. Beau forma la brasserie et tout ce qui venait avec enfin libéré de l'âme de son père, Mr. Beau et l'île de Heck allaient pouvoir entamer un nouveau chapitre de leur histoire. Ah, d'accord. Comme ça, Mr. Beau et son père étaient super importants. Eh bien, c'est une manière de le voir. C'est certain qu'ils ont tous les deux laissé leur empreinte sur Elk. Et Leona, qui reproche à Mr. Beau l'arrêt d'une grande partie des activités de l'île commerciale sur l'île. Mais en ce qui concerne, je pense que cet homme est fondamentalement gentil. Une minute. Sa maison? Oui, absolument. Oh, elle est immense. Et ça, pour sûr, le vieux Brasseur n'était pas spécialement réputé pour sa subtilité. Et attends, toutes les voitures, c'est un camion de pompiers. Mr. Beau est occasionnaire de choses un peu inhabituelles, comme un peu. Il les conduit toutes, honnêtement, je ne pense pas que ça soit le but. Mais alors, elles servent à quoi? C'est une bonne question. Eh hey, mon cher John, et toi aussi, bien sûr, Frick. Je suis tellement heureux que vous ayez pu passer aujourd'hui. Pas de souci, Mr. Beau. Qu'est-ce qu'on peut faire pour toi? Déjà, j'aimerais que vous entrez. Faites comme chez vous. Ne va pas vous embêter tout de suite avec le travail. Il y a tellement de choses à voir. Votre maison est immense. Eh bien, merci, ma chère. Je l'ai su dès que j'ai été vu. Personne de goût. Merci. Tu sais, je suis très intuitif et je n'ai ce genre de choses. Mr. Beau, c'est une réparation dont tu avais besoin. Ah oui, une petite minute, mon cher Jan. Et j'ai une vague d'inspiration. Frère, as-tu déjà joué du go-golf? Non, jamais. Pas de problème? Non, pas du tout. D'ailleurs, c'est merveilleux parce que cela me donne le privilège de te faire découvrir. Oh mon, je vous apprendrai à jouer au golf. Exactement, jouer au golf ensemble, c'est une occasion fantastique. C'est un jeu méditatif. C'est un jeu où l'on se connecte. Il est bien idéal pour conclure des affaires. Affaires. Ouais, alors Frick, qu'en dis-tu? On se fait une petite partie de golf. Il s'imagine que je suis une sorte de femme d'affaires. Ça a l'air amusant. Jen, qu'est-ce que tu en penses? Je peux? Allez, vous deux, pendant ce temps, je vais jeter un œil dans la maison si tu es d'accord, Mr. Beau. Je verrai si je peux réparer des réparations si tu as besoin. Splendide. Bien, Frick, on va aller dans le jardin faire un peu de golf classe mondiale. Vous avez les balles dans le trou, c'est gagné. Point. Splendide.
Mets tout ça à la baguette. Formidable, frère, je dois te dire que tu as très bien joué. Très amusant et très différent de ce que j'imaginais. Ben, je pense avoir réussi à créer l'expérience du golf assez parfaitement ici, dans mon humble le demeure. Je prends toutes ces choses très au sérieux, frère. Eh bien, je suis très impressionné. C'était comment? C'était un événement véritablement spectaculaire, absolument mémorable. Quel dommage que tu n'aies pas participé, John. Et je suis content que vous soyez amusé, mais Mr. Bro, si ça t'ennuie pas, est-ce que je peux te parler rapidement? Pas du tout, mon cher. Je suis en entière disposition. Super, j'apprécie vraiment, frère, que je t'ai trouvé un placard là-bas au fond qui aurait besoin de quelques réparations. J'ai laissé des outils à côté. Tu veux bien y aller jeter un œil? Comptez sur moi, merci. On n'en aura pas pour très longtemps. Ce foutu placard. D'accord, ça va être le placard, il est carrément abîmé. Voyons voir si j'arrive à le réparer. J'attends quelqu'un. Faut qu'on fasse une sorte de mini-jeu. Basé sur l'histoire de mon père, sous l'homme gelé. Si on met Frick dans une situation où elle doit porter JP, et on le fait d'une belle manière, où Frick, je peux méditer sur JP en tant que personne. Même plein de gens, ça pourrait être intéressant. Eh bien, c'est très bien, en fait. Le fait de porter nous sommes aussi à une perspective parce que mon interprétation de l'histoire vient juste de dire mon nom. Oh, il nous trouve JP et gelé, il le reste dessus, lui, il le regarde droit dans les yeux. Oh, qui est là? Je pense que c'est un moment très important pour l'histoire. La porte est fermée à clé. Expérience très importante quand on veut faire vivre aux joueurs. On dirait qu'ils ne m'entendent pas. Alors, si Frick doit porter, il faut qu'elle se rapproche de lui. Je les ai bien entendu dire mon nom, et peut-être qu'on peut vivre l'expérience. Peut-être qu'on peut faire ça au lieu d'enfin. Quand on a parlé du truc comme une poupée de chiffon, il y a quelque chose. On peut adorer la façon dont les personnes bougent, contredit peut-être ce qu'on veut faire. Et. Celui de JP. Peut-être qu'on voit juste le visage de JP, on regarde d'en haut et je crois que ce serait très puissant. Peut-être que c'est comme un rituel, oui, c'est comme. Parce que les rituels, c'est toujours une série d'actions standards qu'on fait tout. On fait pour. Reconnaître, pour faire quelque chose bien. Alors, en gros, Frick va soulever la tête et John va soulever les jambes. Il va t'aider à le porter, oui.
Et ensuite, on le voit d'une vue plongeante. Et puis, qu'est-ce qui se passe? Désolé de t'avoir laissé ici, Frick. Pas le placard. Il y a d'autres. Non, ici, hein? Il y a des gens dans cette pièce. Je les entendais parler et j'ai entendu mon nom. Que Leroy, Victor et Marge soient déjà revenus. Bien peur que non, mes chers. Non, sûrement. Hein? J'ai entendu des voix à la porte de fermée, alors je n'ai pas pu voir que c'était. Ah! J'ai d'être bien entendu Rosier, mais je. T'inquiète pas, cette maison a beaucoup de coins et de recoins. Les vents peuvent faire toutes sortes de bruits. D'ailleurs, j'entends les choses les plus étranges tous les jours, mais quand. Est-ce que je suis en train de. Paul, ouais, non, je me sens. Vous êtes. C'est de. J'ai des idées, eh bien. Allons là pour. Un bon verre entre amis. Bonne idée, Mr. Beau. Ça devrait être sympa d'aller voir le lac. Candide. Quel bonheur de sentir la brise fraîche d'aigle sur mon visage, il faut l'admettre. Dans les moments comme ça, je ne changerai cette île qu'entre rien au monde. Bien dit, mon cher Ben. J'ai passé une excellente journée avec vous deux. Et je... Mais on n'a jamais réparé notre placard. Oh, cette vieille chose, qu'est-ce que tu portes de placard? Encore par cela, un bon moment passé entre amis. Ça vaut bien mon contrainque. C'est vrai, j'ai passé un excellent moment, mais plus tard, je vais rentrer à pied, ça ne vous ennuie pas. Bien sûr, ma chérie, je suis très reconnaissante de. Je vais rester pour une autre bière, Mr. Beau. Le lac est magnifique ce soir. Je voudrais en profiter encore un peu. Je vous laisse tous les deux, alors. Encore merci pour aujourd'hui. Bonne nuit, Frick. Au revoir, ma chère Frick. Eh bien, la maison de Mr. Beau était géniale, mais je m'interroge encore sur ses voix. Est-ce que c'était vraiment le vent? Bon, je bois tous les jours en ce moment. Je suis claqué, espérant que j'arriverai à passer une nuit sans faire un autre rêve à la David Lynch. C'est gentil de nous joindre à nous, Fred. D'ailleurs, attends, c'est qui avec toi? Hey, c'est vous! Salut, Fred, c'est mon ami. Je crois que vous avez déjà. Vous vous connaissez déjà. On se racontait des bonnes histoires de voyage. Et j'ai posé des questions à votre sujet. Vous étiez dans ma maison, pas vrai? Alors je ne suis pas folle. Détends-toi, Fred. Tu peux venir avec nous, nous raconter une histoire aussi? J'imagine que c'est possible, mais je ne sais pas quoi raconter. Je suis sûr que tu as plein de choses à nous raconter, Fred. Ouais. On a tous une histoire à raconter, Fred. Peu importe si c'est une histoire ou une grande histoire, tant qu'il y a un public, une histoire sera toujours entendue. Allez, laisse-nous faire ton public. Ok les gars, d'accord. Alors une fois... Mon dieu, dis donc, mon cerveau, tu me fais quoi là? Un nouveau plan? Aujourd'hui, pas de bière. Pas de bière, pas de rêve bizarre. C'était tout, aujourd'hui, pour le jeu. Welcome to Elk, live sur la chaîne du Caribou canadien. Oh yeah!